pourquoi la remise s'intégrerait et participerait à la Biennale de Grenoble? Eh bien, tout simplement parce que, d'une part, la remise en 2019 va fêter ses 30 ans, que la remise est une association grenobloise, donc essentiellement locale. Nous n'avons pas vocation à intervenir sur des communes comme Vienne ou aller nous implanter à Lyon, c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de fournir de l'emploi à Grenoble. Et puis, spécifiquement cette année, nous avons compris que le sujet de la biennale touchait à des activités corollaires à celles que nous portons, puisque nous valorisons principalement le textile que les Grenoblois ne veulent plus ou ne peuvent plus utiliser au titre de vêtements ou de linge de maison. Et que, avec ce textile, nous faisons travailler une quarantaine de personnes dans l'association qui ont pour but et pour objectif de revenir à une vie professionnelle. La transition, c'est une vaste question qui peut être abordée sous différents angles. Au sein de notre association, nous la considérons comme étant une étape qui peut durer un court laps de temps ou au contraire une période beaucoup plus longue. Et dans notre cœur de métier, qui est d'accompagner des personnes en difficulté d'accès à l'emploi vers une reprise de vie professionnelle durable, il pourrait s'agir de cette étape justement où les personnes accueillies au sein de la remise vont pouvoir travailler sereinement, calmement et avec beaucoup de bienveillance dans un cadre professionnel en vue de retrouver une activité professionnelle stable, durable, leur permettant de pouvoir exercer leur liberté d'individu.